Et bien salut tout le monde, c'est HypotGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un bloc qui avait disparu de MCPE et qui est revenu. Mais avant tout, n'hésitez pas les amis à vous abonner et activer la cloche des notifications, ça me ferait super plaisir. Et à lâcher votre plus gros pouce bleu, du coup c'est parti. Alors les amis, le bloc c'est tout simplement celui-ci, donc vous allez dans l'inventaire si jamais vous avez la bêta de MCPE 1.8.0.13 et vous tapez tout simplement tailleur de pierre ou tout simplement stone cutter. Voilà, comme ceci. Et c'est un bloc qui était présent sur Minecraft Pocket Edition. Regardez, c'était celui-ci qui était présent sur toutes les versions de MCPE et qui a été retiré tout simplement car les blocs que vous pouvez voir ici, par exemple, les murets, les escaliers également, tout ce qui est briques de pierre, briques craquelées, celle-ci, hein, vous vous rappelez de celle-ci, hop, on pouvait tout simplement les crafter grâce à ce bloc. On pouvait aussi crafter tout ce qui était dalles de pierre, etc. dans cet objet, et puis ça a été retiré et on est passé aux tables de craft pour uniquement tout faire, et cet objet là a été complètement supprimé du jeu, mais maintenant il réapparaît, mais on peut tout simplement rien faire avec. Regardez, quand on clique dessus, j'ai l'impression qu'ils ont mis cet objet là pour faire juste de la décoration pour vos maisons, si jamais vous mettez ça à côté du four, si jamais vous mettez ça à côté d'une table de craft, etc. Ça pourrait très très bien passer, même à côté du table d'enchant, comme ceci, vous faites tout simplement un atelier, donc ça pourrait bien passer, c'était très très bien avant, et ça fonctionnait super bien, mais maintenant c'est utilisé principalement pour la décoration à mon avis, et je ne sais pas du tout s'ils vont modifier ça, et si on pourra faire d'autres trucs avec, mais pour le moment, je vous mets sur l'écran tout simplement l'image qu'un développeur de Minecraft a dit, donc vous simplement il a trouvé quelque chose d'assez spécial et c'est un objet qui ressemble à tout simplement le stone cutter, mais vous voyez qu'il a une forme assez différente, vous voyez que c'est déjà un peu plus réaliste avec cette scie en plein milieu, et c'est tout simplement un développeur qui a fait ça pour faire tout simplement une petite blague et pour dire que ça allait revenir sur MCPE. En tout cas, je vous mets les caractéristiques aussi à l'écran du stone cutter, donc qu'est-ce que pouvait faire le stone cutter sur le wiki de ce bloc tout simplement, et donc voilà. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si jamais vous avez des idées, pourquoi il rajouterait tout simplement à nouveau ce stone cutter, si jamais vous avez pas mal d'infos, si jamais vous voulez me donner des idées dans les commentaires, ça sera super sympa, me dire pourquoi, bah, tout simplement si jamais il y a des nouveaux blocs qui sortent, pourquoi ça pourrait servir, etc. N'hésitez pas à me lâcher pas mal de commentaires dans la description, je les lirai tous, et dans les prochaines vidéos, je choisirai un commentaire qui m'a bien plu, et je le mettrai en avant tout simplement, et donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, et moi je vous dis à la prochaine, c'était HypotGamer172, allez bye tout le monde, ciao.